soya et avant d'entrer dans la police là. Même toi tu es dans la police, peut-être m'entrer dans le sujet ça après. Et moi parler avec plusieurs policiers. Mais qui t'aime faire une confidence tout. Moi j'ai rencontré à Gary Conny et puis Lelfin fait choix de Normine Rameau. Et puis, je me demandais, mais pourquoi le choix de Normile Rameau? Rameau Normile. Et je suis estimé que Rameau Normile, pour l'international, c'est un bon policier, etc. Bon. Et ça connivait que ou bien un bon monde. Ça connivait que bon monde, c'est mon lié. Ça connivait que mon nom, son monde qu'on connaît, son monde habitué à parler avec lui, son monde qui est correct. Et moi, je vais vous donner un exemple simple. Vous n'êtes pas là, vous êtes mauvais affaire. Monsieur, son mécanicien, mais son mauvais affaire. Vous n'êtes pas dans une zone qui doit être pure, sans tache, irréprochable. Monsieur, son boss taille. Et puis, on joue soi. Pendant que vous sautez ici ou pendant que vous rentrez. Machine, on vient en panne devant la rue. Qui nous a pris les? Ou après les tailleurs ou bien mécanicien? Après une clé. Nèg mécanicien, ah, mon cher monsieur, son bluffeur. Vraiment, on est comme si il n'y a pas de parole, fonctionnement, monsieur, pas correct. Mais c'est un bon grain mécanicien, il est tout. Mais l'autre qui pue sans tâche là, monsieur, son tailleur, qui est pris les? Ou job ça? Ou après Marie Fielou? Ou quand monsieur son nez qui désordre, ou pas sûr que monsieur est là, fin fait travail là pour? Ou pas sûr que c'est là, monsieur, fin fait travail là au pays? Parce qu'on est son nez qui cabaye matou n'importe là. C'est ça, il y aurait les mal nécessaires. Mais quand vous avez tendance, vous dites que blanc pas vle, blanc pas vle. Blanc pas vle qui ça? Blanc pas vle, blanc pas vle qui ça? Qui ça qui a fait kaye blanc, nous-mêmes nous avons décidé sous lui. Et ça qui fait, ouais, beaucoup, j'aime parler de ça. Dernièrement, nous avons eu Venezuela, l'autre marteau encore. Pour qui ça? Parce que États-Unis n'est pas bien à Venezuela, Haïti tout, comme si parce que États-Unis n'est pas bien à Venezuela, pas bien à Venezuela tout. Tandis que Venezuela, un peuple frère, un peuple qui est tellement important pour nous, qui utile nous, garde ça le fait pour nous là. Boire tellement marie dans nous, il arrive même annuler une dette qui valait à plus de milliards de dollars pour nous. Kounya, et moun sa a pour nous dire que nous n'avons pas faveur, nous n'avons pas voté contre nous. Nous avons tout blanc pas vle qui ça? Qui rapport nous yon blanc? Blanc pas vle qui ça? Nèg a dou gon bon nèg dans la police là qui pas correct etc. Mais ou pas besoin un monde qui correct à 100%. Gen des monde justement gen des défauts mais qui ka ban bon résultat, on bagaille que besoin faire. On le c'est même de prendre un coup à tout. De chauffer président Jovenel Moïse en période. Et ça me d'ab vann normal. Mais ouais dans la vie faut apprendre prendre recul. Nèg la ka un bon policier, mais le pas ka un bon directeur général. Nèg la ka comme si m'dadou, parce qu'en fait, c'est ça qui baille la vie à un sens. C'est ce qui donne une couleur à la vie. Tout le monde pas ka vle jouer mémoire. Je dis à la, on est ka dit tout bagay, mais l'op on est ta kou Fernando Couto. Non mit enterré. Ou bon Gatousso non mit enterré. Mais ça Gatousso ka fait, mais si pas ka fait. Ça Zanetti ka fait. Mais si pas ka fait. Est-ce que d'accord avec? Chaque monde gagne un rôle yo. Emiliano Kampa en bas en camp, mettre Messi en bas camp, Messi a pas un paquet de goals, pas même gagne mon pénalité. Chaque monde gagne un rôle yo. Et c'est même encore qui t'ai fait faire lobby pour Rameau Normile. Moi dit président Jovenel, Rameau Normile pas capable. Il peut être n'importe grade dans la police, en fait gagne deux grades, monsieur pas capable yo, inspecteur général et directeur général police, il est capable. Parce que en termes de relations humaines, parce que monsieur qu'on jeune ouais policier a. Chaque fois la garde policier a. Chaque fois la gade moun dans la police yo, par contre, si on perception, peut-être monsieur Obéjan, ou maintenant, dis-moi si on mette, pour monsieur, c'est que tout le monde dans la police a volé. D'ailleurs, il y a un bail qui pas joué en faveur, monsieur, mais c'est pas jamais te chita en bas en commissariat. Parce que qui ça qui bral bon capacité pour diriger la police? Nan? C'est relations humaines qu'on développe à la police. Ça veut dire, l'autre commissaire municipal, faut au monde dans le commissariat. L'autre commissaire principal, faut au monde dans le gros commissariat, non arrondissement ou bien un département.
L'autre, par exemple, on commission, on sait des commissionnaires, commissaires divisionnaires, faut monter directeur départemental pour frotter avec policiers, qu'on problème yo, situation difficile yo, ça cap traverser yo, motivation. Mais malheureusement, non, mille pas qu'on baise ça du tout. De même communiquer, pas qu'à communiquer à policiers yo, quand ça crivait dernièrement là dans SWAT. C'est pas Gary qu'on courir descendre dans SWAT, mettre des mains dans tête, mais, là, t'es capi grave, ou est-ce que ça va parler? Mais, dans le contexte, nous, je vous dis, on va parler de ça. Mais le choix de Normil, c'était pas un bon choix. Et le bonheur, je dis, on va corriger ça. Parce que le problème, c'est qu'il n'est, il n'est pas un policier pur. Et bonheur qui connaît à terre, connexion avec la police là, entre monsieur la police là, qu'on faussait. Bon, ben, au grade, m'a parlé avec lui. Il n'a pas offert pour 5 grades ou non, m'a fonctionné en rameau. Et go, monsieur, monte 3 ou, et puis, mais c'est un petit bien. Je regarde rameau dans le fonctionnement personnel, mais pour poste directeur, direction générale de la police, il n'est pas capable. Et c'est une bagaille qui fait que connexion en dans la police, ça pour arriver à faire. M'a pas d'informations sur l'arrestation Gantier. Gauthier, excusez-moi. Commissaire, principal Gauthier, que n'est-ce que dans la prison aujourd'hui dans le DCPJ. Mboko gen tout élément yo mbabral la. Mais pour qui ça? Chaque fois on nèg ase commissaire de police la ba résultat en côté. Ou bien l'inspecteur en côté, puis on tendance pour retirer. N'a pas fait affaire tes amis, n'a pas fait affaire personnel. Qu'on a ces populations campées pour dire tel inspecteur, tel responsable commissariat ou sous-commissariat pas déplacer. Mais population c'est les cap vivre bagaille là. D'ailleurs, tu n'étais même pas en Haïti ou pas dans pays là. Ou pas d'Haïti, c'est vin ou vin vini, ça veut dire pas qu'on réalité terrien, ou pas qu'on sa moun wap vive. Le jour d'y a pour remplacer kade, mais moun commence kon sa kade vaut pour yo. Je dis à mes moun tabab fait manifestation parce que yo di arrête Gauthier dans nos mauvaises conditions. Gauthier qui goume toute ville selon moun tabab pour empêcher base vite l'homme rive là. Bon, sou ki base ou mette en prison, pas aucune information. Bon, te gen information te di après tirer inspecteur canapé vela, moun canapé vela di apten, pour yoye qui yè sak balman yon inspecteur. Et ça va là pour les organes. Pour un ex-directeur général police nationale d'Haïti, ça, faut ou te gagné ou toujours en communication avec des policiers. Parce que le travail là, il n'y a pas de faire. Et ça fait ou dit, pour sortir, pour arriver là, il y a tout ton échelon pour faire, il y a tout ton côté pour sortir. Ou moins, il faut négater directeur départemental. Ou moins, il faut négater en bas, un commissariat, à administrer un commissariat. Parce que, un sous-commissariat, c'est pipiti administration qui est dans la police. Ça veut dire que pour les gars arriver directeur général, au moins, il faut administrer un commissariat. Administrer une direction départementale, comme ça, une communication que le gagne avec la police, ce qui n'est pas le cas. Et ça a privé la Kounia. Comment on veut dire, dans le niveau policier, soit pour la mourir dans n'importe condition, ça n'a pas supposé fait. C'est parce que pas gagner une communication en direction générale de la police, ça, avec un directeur qui n'a jamais été administrateur, même en antenne de la police, et puis mené. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais espérez mon petit effort pour faire pour corriger ça. On n'a aucun problème personnel avec qui que ce soit. Mais moi, toujours dit, quand il s'agit de la sécurité nationale, depuis c'est affaire sécurité ou pas des amis, parce que vous-même, vous êtes victime dans ça. Ou la question sécurité en Haïti, pas des amis taille. C'est bon monde pour mettre dans bon place. OK? Bon monde pour mettre dans bon place. Parce que en termes de bagage, en termes d'expérience, on a tout tourné le bagage. OK. D'accord. Bon ami qui dit je ne parle là et comme si Rameau pas passer dans la police. Parce que est-ce que c'est parce qu'on passe dans la police ou qu'a vient directeur général de police? Très très loin d'être ça. C'est parce qu'on t'est passé dans la police qu'il faut qu'a faut directeur général de la police. Et parce que t'es agent 1, agent 2, agent 3, agent 4 qu'il faut qu'a directeur général de la police. C'est même gens là pour on nèg wap mettre par exemple dans des CPJ ou qu'on ça des CPJ veut dire que déjà ou pas qu'après parce que les gars des directeurs départementaux, parce que le dégéré mine, les fait passer tout commissaire ou même le DCPJ. DCPJ ont un minimum de niveau, ont prérequis, gagné et tout ton expertise pour les gars gagner pour le venir dans le DCPJ. Ok, Alfred? C'est de ça qu'on a parlé là. Faut les gars sont administrateurs que lui et tout. Les gars, on a rien dans le commissariat, et bien non, et bien comme ça, on saute en l'air pour venir tomber là. On va songer, Aristide fait expérience, on a pris Denise, on a mis Denise dans la tête direction générale de la police. N'en prend Jocelyne Pierre, vient mettre Jocelyne Pierre dans tête direction générale de la police. N'en prend, comme monsieur encore, Chile Ludo, met Chile Ludo dans le DCPJ. Son pays comme si Mdadou, le savoir, pas vrai dire rien. Vous comprenez? Ma propre pour Alfred, c'est pas parce qu'on passe toute étape dans la police, qui étape? Est-ce que t'es commissaire et est-ce que t'es responsable au commissariat? Je dois parler de étape, c'est de ça, on a parlé.
l'administration de la police. Vous comprenez? Ok, bon. Et en tout cas, ça m'espérait que nous gardions question hein? Et puis nous voyons comment nous avons fait ça. Assoya, bon me féliciter un gros garçon. Bon me féliciter un gros garçon qui fait un travail extraordinaire. Gros garçon qui font un travail extraordinaire pendant le week-end. Hein? Mon cher, son plaque d'honneur pour quand la parole t'a voyé pour monsieur. Et mais malheureusement, pas qu'à faire shipping dans Assoya. Mais dans tout haïtien. Cap coûté émission pour quand la parole, n'a un gros coup de chapeau pour Luxon Saint-Ville, gros coup de chapeau pour jeune garçon ça qui font travail extraordinaire pour week-end. Luxon Saint-Ville, bonsoir mon cher, félicitations. Nan non tout haïtien cap coûté pour quand la parole à soir. Nous dit merci et n'a rajoute une autre phrase. Mon cher, nous fier de vous et sous ta explique au monde quand on sorti pour arriver là, mon cher monde n'a pas comprendre. Ou c'est une source de motivation pour un pile jeune, vraiment pile jeune, notamment pour des jeunes qui sortent dans le ghetto. Mon cher week-end, ça fait un travail enragé. Félicitations. Nous avons tout le monde qui a écouté là. Et nous avons beaucoup de la parole, mon cher. Recevoir pour nous, Timo Sayo, comme un gros l'honneur. Parce que ça, il n'y a pas de prix. Merci encore, Alexandre Saint-Ville. Comment est-ce? Bonsoir Yéry, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices qui ont écouté l'émission. Beaucoup de la parole. Merci en pile. Et c'est avec. Belle parole, ça, ou se voit dans l'émission. Ça, c'est son honneur parce que déjà, il faut me rappeler que mon capteur de là, Gary Henry, c'est pour moi un mentor, son aigle m'a suivi longtemps, il me fait entrer dans les médias, et son voix me demande toujours un mentor. Il me dit, quel monsieur de voix radiophonique. Et puis, il me devine une chance de collaborer avec Gary Henry dans Radio Vasco, c'est bien que c'est pas vraiment long, mais Gary Henry, c'est vraiment son professionnel ou bien pour apprendre la pile de les Gary Henry, il aime pour la féliciter. Toujours, il me dit, waouh, un grand conseil de toute parole, ça, et il y a raison pour fier, mais il y a raison tout pour sentir que le travail va faire gagner l'autre monde qui est chez Souli, qui vient faire que vous obligez de prendre plus au sérieux responsabilité avec plus. Mon cher, je suis content d'avoir à soi, et qui sa question, moi-même là, m'appelle. Mon cher, et l'aime tant des questions, premier bagage, je fais tout. M'intéresse les 11 amis qui sont dans Springfield, et puis monsieur explique, monsieur dit, mon cher, pas gagner ça du tout. Bon, c'était pas un journaliste, son citoyen qui m'intéresse, qui peut-être pas maîtriser toute ville là. Mais ou même le déplacer ou aller ou aller garder ou parler avec moun ouè, dis-nous comment compatriotes nous yé dans ville Springfield. Alors pour commencer Gary Henry, depuis le manon ce voyage là m'a recevoir un pile message soit dans commentaire ou bien privé, il y a des monde qui dit pour moi prudent. Si moi t'étant des monde qui a parlé soit sur réseau bien de manière personnelle, même aux autres même pas mettre Springfield parce que il y a pile menace, c'est vrai. Il y a inquiétude, c'est vrai. Il y a peur, c'est vrai. Mais haïtien va fonctionner. L'un des faits arrivés dans la ville là, Springfield, son petit ville qui est dans l'État Ohio, qui a environ, pour l'instant, environ 80 000 monde. Avant haïtien, il y a environ 60 000 monde dans la city. Ça, dernier chiffre officiel, l'autorité locale, il y a haïtien, il y a environ 15 000. Bien que, groupe qui anti-immigrants, ont toujours bon chiffre 20 000 avancé, mais, officiellement, c'est environ 15 000. Moi, entré dans une ville calme, d'habitude qui était déjà calme, mais entré dans une ville tout qui suspecte. Moi, rentré vendredi soir, bien tard, moi, pas dormi Springfield, je dormi Columbus, une petite ville qui a moins de une heure de temps de Springfield. Columbus, lui-même, tout grand pile haïtien, mais concentration haïtienne, c'est Springfield, lié plus précisément. Moi, rentré, je devais tout aller Springfield dans la même soirée, il était trop tard, mais samedi matin, bonhomme, je devais être à Springfield. Là, moi, je vais pas avoir ça, je dis, moi, c'est pas ta jeune haïtien dans la rue du tout. Ce fait qu'il t'a parlé tout, c'est que pour moi, je suis haïtien dans la rue, marché à pied. Mais, mal tombé dans l'enduit, pour moi, qui t'a dit ça, qui sont mon anglais, c'est qu'on doit laver, chercher haïtien qui vient laver. Et non, si on est tapé, si on est obligé de camper pour mal parler avec moi, et pour moi, je dis, petite parenthèse, tout coûte, c'est que, et, moi, je t'ai senti honoré parce que, moi, c'est pratiquement, premier journaliste, on t'a dit, premier média qui descend, qui met pied à terre. Moun yo dit que c'est média international. Seulement qui vient parler ensemble avec yo, yo vraiment senti honoré. Pour moi, c'est premier haïtien, premier journaliste haïtien, média haïtien, dans les bourgades de télévision Caraïbes, qui mettait pied à terre, qui vient parler ensemble avec yo. Et ça me senti honoré. Et l'on fait introduction, on dit non, non, tout le monde, etc. C'est comme si, moun yo senti que c'est Haïti qui vient joindre yo, qui vient bailler la parole. Et me senti, c'est un honneur. So, l'on vient dans ville Haïtien a marché, Haïtien a mené activité. Mais là, on entre pifon, vous sentez que, ouais, Haïtien, si on n'a qu'à utiliser l'expression vulgaire, ça, c'est que nous avons d'annoyer.
Haïtien pas peur. On prend la rue, guerrier, il y a l'activité même si on fait avec un pile prudence. Maintenant, on peut bien comprendre ça moi, c'est là on commence à parler à mon moi inquiétude là. Peur là mais mon bien pression au dit tête yo, il pas arrêter caché. Faut y fonctionner. On connaît que des monde qui prennent des dispositions spéciales par exemple des familles qui ont des petits yo là quand yo pas pour l'école d'ailleurs. Il y en a deux jours avant moi, il vient dans la ville là, il y a un menace alerte à la bombe qui était déclenché dans toute ville là, il y a plusieurs espaces publics qui étaient visés, dont mairie avec l'école élémentaire. Pour ça, il y a un pile parent qui est petit de l'école. Et magistrat ville là, que d'ailleurs, il était fait gros dimanche pour faire une interview ensemble avec l'enfant Mali. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Ce n'est que partie remise. Moi, ça m'a tourné encore au Ohio, mais je n'ai pas de chance de parler à magistrat. Magistrat a été dit que menace ça, il était visé immigrants, particulièrement migrants haïtiens. Donc, par rapport à tout ça, yo, ou inquiétude qui blaye sur toute ville là, et même y a une rencontre qui te prévoit samedi, entre communauté haïtienne, des leaders, des citoyens haïtiens, y'a été obligé d'envoyer à cause menace, et y'a été, fait réunion ça, virtuellement. Le problème, c'est pas là, mon guerrier, mais ça t'y inquiétude là, peur là, mais mon y'a dit, pas n'y l'autre moyen pour y'a fonctionner, y'a pas qu'à retendre dans la caillou. Y'a obligé de sortir, malgré y'a marché sur 13 pour pas les 14. Au final, et c'était un rumeur, ou bien c'était une mauvaise manipulation de information, ou bien c'est tout simplement de mauvaise foi que on moun était décidé et diffuser bagay ça. Alors fond du guerrier menace là mais si ou tant moun de yon Springfield ou capable même mettre pio là même moi même dans tête pas même dirige Springfield mais c'est pas d'option ici dans la rue. Donc les différents. Par contre il est très sensible puisque n'importe bagaille qui arrive. Gars, c'est qui subit agression verbale, qui subit agression physique. Je parle avec des gens qui ont témoigné de côté que ils ont gagné machine qui ont crasé vite. Il y a des citoyens ou des résidents américains frappés déjà. Il y a des résidents américains qui ont les âmes sous les yeux, quitté la ville, retourné la caille. Oui, ça fait. Et moi, j'ai eu trois bagailles qui passaient pendant la visite là et il y a pas de problème la tête. Malika y a une famille qui même dit même yo pas courir. OK? Madame dit yo pas courir, il y a des monde déjà qui a fait peur pour yo quitter Springfield par rapport avec et tension bien menace qui gagne sous ville là particulièrement sous immigration. Famille ça dit yo gagne voisin tout près quoi. Alors famille à quelques heures il a expliqué ça. On va venir vivre situation. Je dis que le monde sur côté nous là, c'est tout le temps il y a pas de problème. Il y a dit nous quitter ville là. Faut pas le déporter nous tout, nous mettre poser nous etc. À quelques heures ou bien quelques heures après, nous une conversation ça pendant nous parler équipement avec la parce que nous deux jeunes très professionnels qui Ohio, de faire équipe avec pour me faire travail. Ça forme son documentaire que m'a travaillé sur lui qui a bon bail grand format net. Pendant nous parler, il y a deux chiens côté voisine là qui commencer japper nous. Il y a une maman qui dit, monsieur, papa fait agression, papa dit rien, pour chien pas excité trop, pour ne pas gagner argument. Et c'est exactement ce voisin ça qui qu'on a agacé, famille haïtienne ça. Moi, t'as dit, mon, il y a parlé même pas, m'a pas pris sens ça, y'a dit. Et c'est après, famille haïtienne n'a dit, est-ce que nous t'as dit ça, y'a dit là? Là, nous prenons sens bien, ça, y'a dit. C'est dit, y'a dit, nous y'a pour quitter ville ça quand même, tu vas pas déporter nous. Alors, même réflexion comme journaliste, t'es en vie, whatever, ne font façon virer téléphone pour me prendre image ou enregistrer. On dit qu'il y a espace sensible, on va pas faire ça. N'importe geste, on t'a fait la mal interprété. Nous font gens, nous quittons espace là rapidement. M'aller dans place, à côté qu'on y a un pile haïtien, il y a un restaurant là qui est, m'crois, le goûter créole, restaurant. Là, moi, je vais étonné. T'es étonné pour deux bagailles. Grosse scène qui passait deux, qui étonné, qui était petit gens, très inquiétant, mais en d'un restaurant, on a bagaille qui peut attirer l'attention. Bon, mal à aller avec ça qui attire l'attention. Le moment que dans un restaurant, derrière, on a saisi ou ça, chargé étranger en d'un. Étranger mélangé haïtien en d'un restaurant haïtien. Le mal avec eux, il dit, il a toujours vu manger là, il aurait même mangé haïtien, il aurait bière haïtienne, il dit que haïtien, c'est un peuple qui est très hospitalier, il a campé avec eux, et il dit tout ça qu'a dit du haïtien, c'est pas vrai, il m'a dit pour haïtien. Quand pile courage. Deux ou cinq qui prennent la tire, attention, qui prennent le motif, inquiet. Vous sentez que Haïtien, il y a marché dans la ville là, sous 13 pour ne pas piler 14. Ça veut dire qui ça? N'importe quel étranger ou bien monde qui est blanc, qui, dans l'espace Springfield là, si par hasard c'est un monde qui
pro-républicain ou bien qui anti-immigrant, n'importe frappe ou ta frappe ou grafoyel, la fait ça fait gros compte. Mon gros ami qui go machine la fait bac avec elle, pendant la fait bac, il manque frappe machine à l'autre citoyen. J'ai manqué pété peut-être ça seulement. Dans même plaza ça, il y a un citoyen blanc qui vient avec une moto et qui n'a pas ses côtés, il y a un nanou qui salue, il garde nos gens, même répond, il va répondre. Donc, son ville qui, moi, comme t'as qu'à décrire ça, non, y'a rien. Ou comme si on regarde, on du feu, comme si du feu en bas. Oui, mais comme oui. Si on l'aile paraît, on j'en, pas de gros du feu, mais en bas. Mais à n'importe moment, t'as qu'à échappement. T'as qu'à échappement. À n'importe qui le, et pour preuve, il l'a d'abord arrivé. Derrière, il y a une organisation haïtienne qui est dans Springfield. Pas d'ailleurs réunis comme ça, des haïtiens, des étrangers qui viennent porter support. Alors, il y a plusieurs étrangers qui viennent porter support avec haïtiens. Ils rencontrent avec un groupe qui gagne des blacks américains. Ils ont fini, derrière, ils ont fini, ils ont fini, ils ont fini eux-mêmes. Ils ont fini, puis prêts, ou soldats, même au télé, ils ont balancé une photo, ça a été publié. On ne va pas rappeler nos structures là-dedans. Ils ont dit, Haïti, c'est maman liberté, nous aider en pile monde gourmet. Non, nous sommes peuple qui fier, ils ne sont pas capables. Présenter nous comme ça. Ils ont dit même, nous prêts, n'importe bataille n'a fait, mouvement, marche, manifestation, il y a devant. Parce que vous devez Haïti ça. Pendant que vous avez fait dans la cour, organisation haïtienne, ça, il y a 3 à 4 blancs qui débarquent dans le parking. Le parking est tellement large, tout le monde apprend trop, par contre, qui est-ce, parce que nous avons recevoir une visite de solidarité, etc. C'est après quelques secondes, vous venez réaliser que son groupe anti-immigrant qui envahit la cour. S'entendre à guérir, en pile parole, pile mon bouc. Yo dit, nous vînons à Yvilio. Yo dit, Haïtien vînons faire bagage cher. Yo dit, Haïtien pas contre conduire, faire accident devant derrière. Yo dit, nous vînons prendre tout avantage social. Yo. Et puis, conseil de étrangers mélangés avec haïtiano-américains. Yo, je viens parler avec eux, qui dit, qui ça te passe? Et puis, s'entendre à la voix levée, etc. Il y a là des vidéos, ça, sous page, mais il était publié tout sur la télévision Caraïbe. C'est police, yo, t'es obligé de relayer. Pour faire groupe moun sa ou qui te espace. Donc ça veut dire, et à n'importe qui le zam karale, fom zou moun sa ou qui anti immigrant guerrier, yo violent en pile. Oui, yo violent. Parce que m'a gade la genyen et flyers que des amis voye pour nous, côté que yo affiche yo nan demi. Mais fom zi tout moun, reportage complet sous ça, c'est mis à part de documentaire là, mais demain matin, nous qu'attendez l'élection de service sur Radio Caraïbe, côté que parce que en fait, crédit là, c'est Caraïbe, on prise mes prêts. Et c'est demain matin sur Radio Caraïbe, dans Grand Boulevard, finalement, pour entendre Luxon Seville sur tout reportage complet, là, d'une manière générale, sous passage-li, visite-li dans Springfield, côté que depuis quelques temps, compatriotes nous, qui vivent là, a subi des gros pressions, des gros menaces, et l'été, et Alphonse Koudje pour garder comment la gare là. Oui. Et Luxon, merci. Je vais pas dire, je vais pas dire, ça dit son state républicain rouge, dans toute visite, mais fait rien, puis il y a tout le week-end. Ouais, devant Pifo Kayo, c'est gros drapeau américain et puis drapeau Trump. Ouais, espace ça, yo, sous ces noirs, et par contre, on pas qu'à passer là, non, pas faire erreur dans un zone. Depuis, c'est pas qu'à Trump, ouais, drapeau Trump, ouais, gros drapeau américain. D'ailleurs, ouais, dans Springfield, si par exemple, ou dans la route là, on nous perdu, là, on voulait faire U-turn, j'ai reconnu en anglais, pas rentrer dans la cour moun sa ou sous son noir. Parce que normalement ici, il y a côté même li interdit pour faire pour virer dans la cour moun ou bien juste font une prise pour ka virer. Mais dans le contexte ça même, haïtien est très 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 sensible. Si elle allait pour le virer, puis toi elle virer juste en bas. Pour pas passer tout près la cour nan, du tout. Alors fond du leader haïtien, yo dit nous avons dit là en pile. Haïtien ba ti des autres vrai avant m'aller. Faut moi dire ça. En plus, on a avoué que monsieur a été des autres de circulation. Monsieur Damien n'a pas conduit bien vrai. Bon, il a reproché Haïtien et en plus, on a confirmé que Haïtien a fait un pile bruit dans la zone. Monsieur est allé dans le parc, il a mis des machines au camp, ouvert porte, il a mis des musiques à bord bien fort, boit bien, il a bagaille bien à terre. Il a avoué que ça a fait vrai. Mais même étranger a dit non, Haïtien n'a pas mangé chien. Haïtien pas manger chat et haïtien pas prendre canam pour y aller manger. Les autorités locales ont dit déjà, il n'y a pas de rapport officiel qui dit ça. La police dit qu'il n'y a pas de rapport sur ça. Mais dans le fond du Ohio, ça fait haïtien venir là-dedans, particulièrement Springfield, son state qui gagne opportunité de travail. Selon le recherche, je me fais, je vais tromper sous chiffre là,
c'est entre 18 à 25 dollars le monde touché dans zone ça qui différent donc pile l'autre zone par exemple pile monde qui était Florida il allait Springfield. Springfield son côté qui est pas trop cher et moi connais plusieurs monde qui achetaient plusieurs tailles Springfield parce que son zone d'opportunité entrepreneur américain ou pas négocier haïtien guerrier. Oui, on m'a ça très beau pour yo. Mais de façon, yo dit haïtien un remet travail. Haïtien a fait quantité de temps yo mandé là et sous mandé l'extra l'a fait extra. Mon on aime faire conclusion guerrier pour finir. Bah la grosse jalousie là dedans. Haïtien depuis n'a fait quoi bois connait. Les gars acheter belle machine comme si des citoyens américains, des résidents américains qui dans zone là. Yo, et quelqu'un ça vous fait venir? Yo, qui est un autre plus belle caille que nous? Oui, c'est ça, vous avez la caille de Mathieu. Les gars, acheter machine 2024. Oui. Yeah. Mais ça passe. Mais qui ça problème? Il y a deux bagailles pour nous comprendre. Notre tête citoyen américain, c'est taxe yo même. Yo prend pour yo bail à Isaac Vigny comme subvention. Qui passe ça? D'ailleurs, on a un ensemble de chiffres avancés qui pas réalité. Yo dit yo bay haïtien jusqu'à 1500 3000 dollars comme assistance en termes d'argent, li pa ça. Yo dit comme si yo bay haïtien l'argent pour y acheter machine, li pa ça. Mais ça qui veut c'est que haïtien là où ils vont côté, c'est travail, yo vinn travail et y a travail dû. Et là haïtien travail dû, la fête tête li plaisir. Et bien c'est notre fête tête plaisir, il y a une bonne jalousie qui déclenche et nous ne sentions pas en sécurité puisque gagné communauté haïtienne a grandi sérieusement dans Ohio Springfield. Bon espace malé mon côté me senti ou dit me senti Miami tellement gagne haïtien ou gagne machine ou ouvert derrière y a vendre pépé gagne mon qui même les Dixon a vient acheter bel petit bout de pantalon ça me senti Miami. Oui en tout cas Dixon malé Columbus malé Columbus Richel font balle la foule vous avez dit mon yo malgré menace bon football hier ma sister un bel football haïtien. D'ailleurs, il y a pour me dire c'est que Kounia côté gagne rassemblement haïtien ont augmenté présence la police. Yes, merci. Et puis c'est côté camp haïtien ont augmenté en façon pour éviter si bon mon envie font bagaille pour carré du tout risque. Rendez-vous demain matin dans Grand Boulevard avec Luxon Seville. Merci un peu Luxon à bientôt. Merci un peu documentaire là c'est pour semaine prochaine. Merci un peu à bientôt, on apprécie ça. En tout cas, et moi rejoindre Emmanuel Fritz Paret. Emmanuel et bonsoir. Merci parce qu'on avec nous à soir ou dans boucanter la parole. Comment y est? Bonsoir. Et très bien. Et depuis, très bien. Depuis quelques jours, et entreprise OUA, avec un petit conflit avec Digicel, ça qui vient perturber la communication d'un pile côté dans le pays. Emmanuel Fritz Paret, est-ce que vous êtes capable de dire nous qui ça problème nan, entre nous-mêmes et Digicel? Bon, et oui, nous avons expliqué tout le problème. Est-ce que vous entendez? Nous recevons très bien. Ok. Bon. Ça a commencé en 2018. Moi acheté un hôtel qui est le Calico Beach dans zone Caries là. Le acheté hôtel là, bon même avant moi acheté hôtel là, moun qui vend moi hôtel là, monsieur Rele Sami Zurek et ou content de compagnie Rele Sami. Oui. OK. C'est Sami Zurek avec Boulos avec et on l'autre monsieur ou bah son génol et Pierre Louis. OK, monsieur Pierre Louis. Nous acheté hôtel là dans Mayo, mais avant nous acheter hôtel là, yo dit nous gion cab qui sorti juste Florida qui rentre Haïti par Calico. Et c'est cab ça qui bail pays à internet. Yo dit nous yo gen en pile difficulté avec Digicel parce que yo signé un contrat à Digicel, mais Digicel va jamais respecter contrat. Ne le ça, contrat yo te gen à Digicel, et m'a clair avec ça, contrat yo te gen à Digicel. Yo te gen un contrat avec Digicel qui dit Digicel, faut Digicel bay et chaque chambre dans l'hôtel là, internet, bon internet, faut que yo bay chaque chambre et téléphone, faut que yo bay télévision dans chaque chambre yo, comme si faut que yo bay tout service et télécommunications dans l'hôtel là pour bayo droit de passage avec fil ça qui baille tout Haïti internet. Mais yo dit que Digicel va jamais respecter contrat ça et pour yo même yo va gagner temps pour pédia Digicel. Yo dit nous bon on va acheter hôtel là pour nous, moi mettre négocier avec yo.
Moi, comment c'est parler avec Marc? Emmanuel Paret avant. Est-ce que contrat yo te gagné avec Sami Zurek là? Est-ce que contrat ça te gagné l'argent la donne? Oui ou non? Bon, on pas gagné contrat devant moi. OK, on pas gagné contrat ça devant moi. Et peut-être demain sur le mon comme cadeau et si contrat ça te gagné l'argent là. Non, Kounia, ça veut dire non ça Sami Zurek Abdou là, il pas de parler de l'argent, il pas de parler de l'argent du tout. Il plus parler de bail chamou internet et mettre internet etc. Bon bagaille. Et non le ça même on te gagné l'autre business m'a géré, c'est papa qui était président compagnie. OK, c'est jusqu'à dans 2022 papa m'a gagné cancer. Moi, je suis président de la compagnie. So, je ne suis pas cadeau 100% parce que je n'ai pas de contrat devant. OK? Mais, ça me cadeau, n'importe contrat que vous avez à Sami, il n'a pas existé encore. Parce que, il n'a pas existé si nous avons acheté compagnie Sami. Mais nous n'avons pas acheté compagnie Sami. Nous avons acheté bien. Nous avons acheté hôtel là. Nous mettons hôtel là en dans la compagnie par nous. Et nous te dit, Martin Brout, nous te dit Didichel, ne le ça. Nous pas reconnaître contrat ça, nous avons fait un nouveau contrat. Même cadeau, dans le moment, et Martin Brout, il va occuper nous. Premier bagaille, nous avons parlé de bagaille ça avec elle. Il te gardé nous comme un. Bon, il n'y a pas de compte qui est-ce que nous avons. Il n'y a pas même quoi, nous avons acheté l'hôtel là. C'est là que nous finissons acheter l'hôtel là. Nous avons acheté l'hôtel là pour 7,2 millions de dollars américains. C'est là ça, là nous commencer réparer l'hôtel là. Chaque côté, nous avons besoin de bâtir nouveau chambre dans l'hôtel là. Mais si là, nous dit oh, comment ça? Nous avons un hôtel nous acheté, il y a presque 80 chambres. Nous besoin bâtir un autre 100 chambres dans l'hôtel là. Mais chaque côté nous besoin fouiller pour faire force. Chaque côté nous besoin fouiller pour faire piglo. Nous pas faire rien parce que si ça dominé toute terre. So, on me dit, bon, je dis, OK, wait a minute. Et c'est là, ça me dit, papa, me dit, bon, faut que nous négocions à Digicel. Parce que faut que vous payez le droit de passage ça. Nous chita avec vous plusieurs fois. Vous ne jamais le faire rien. C'est exploiter l'hôtel là. Vous ne jamais répondre. Un jour, en 2020, il était 4 et 2 juillet 2020. Fil yo te gagne, te gagne un problème. Yo te besoin entrer dans l'hôtel là, nous pas quitter entrer dans l'hôtel là. Nous disons non, il faut que nous gagne un accord pour nous bailler droit de passage dans fil ça. C'est dans le ça nous les juges de paix, nous les Conatel chita avec nous-mêmes avec Digicel, nous fait un accord. Accord ça te dit deux bagailles. Il dit premier bagaille pour tout temps que tu es dans l'espace là, faut que tu payes nous. Nous t'ai évalué à 48 000 dollars américains par mois. Après ça, yo dit yo, si vous pas voulez deal avec Paris encore, ou gagne 9 mois pour retirer comme ça. Ça c'est en 2020 oui. Et paraît nous, est-ce que câble a passé en bas en mer ou bien il passe en dans l'hôtel là même? Il passe en bas en mer, il sortit Florida, il passe en bas en mer, il entre dans l'hôtel là. Il passe en bas cuisine là, en bas une building yo, et dans l'hôtel là, après ça il sortit de yo, côté et Digicel qui est terminal. Ok, Kounia. Ok, Kounia. Ok, bon. Non, on se goûte. Bon, pose aux questions, ça, Kounia. Ok. Le ou taxé au 46 000 dollars le mois. 46 000 dollars pour qui ça? 48 000 dollars taxé le par mois pour qui ça? Parce que, fil ça, empêche nous, premier bagaille, fil ça, empêche nous, grandir hôtel nous. Pas de côté, imaginons, on te, qui presque, et 4 KO. Tout côté, nous besoin bâti nouveau chambre dans plage là. Parce que là où il y a un hôtel, faut qu'on bâti chambre côté moun kawe, vu le mea. Ça c'est terre qui plus cher, qui a plus valeur. Mm-hmm. Chaque côté, nous besoin fouiller pour faire force, pour faire plomberie. Nous pas qu'à faire rien parce que fil là.
ou t'as dommagé fil là. C'est bon. Nous calculer combien crop n'a perdu parce que nous pas qu'à grandir hôtel là. Après ça, nous calculer importance location ça et pour digital. Nous calculer combien crop yo fait chaque année. Nous dit bon, mais crop ça n'a demandé yo payer. Il pas me représenter 1%. OK. C'est normal. C'est comme ça nous calculer crop là. Et mais ça m'a dit là. Nos contrats nous signent. Il dit yo si on pas d'accord pour payer ça, nous baillons 9 mois pour retirer fil là, pour faire le passer en l'autre côté. Est-ce que contrat ça, est-ce que contrat ça, li écrit ou bien son contrat verbal, ça ne décarrelé un contrat dans bouche? Li écrit. Et m'a voué le bas ou tout. Et ni ou signent et puis Digicel signent contrat tout. Nous tous les deux signent. Et on l'autre monde, Konatel signent comme témoin. Est-ce que là avec moi? Ou bien contrat ça même dans mon? Ou bien contrat ça? Même. On t'a tout voué le baou. Pardon, nous chita là. M'a content ça. Ok. Kounye, so ça c'est en 2020 nous signons contrat ça. So on fait un petit bac. Li di yo, même si yo pa vle paye nous, yo pa vle entre nous encore avec nous. La paye nous, 1 an et demi, yo te là. Après ça, la yo gen 9 mois. Pour retirer Kabla, faire le passer en l'autre côté. Parce que beaucoup de ou gen kay plusieurs familles, ou connaît là. Et plusieurs monde qui là. Mais, depuis Digicel fin signe contrat ça, nous quittons Digicel entrer dans l'hôtel là, yo range fil, et yo range bagay, yo te gen pour range là. Depuis jour ça, nous pas j'entende rien. 4 ans, 9 mois, yo pa jam di nou anyen, yo pa jam paye nou, ça c'est un, yo pa jam retire fil la, yo pa même repon nou encore. En 2022, mwen te chita a Martin Booth nan hôtel Marriott. Mwen chita avec monsieur, mwen di monsieur bon, et Martin, nous gen pour bâtir l'autre chambre et fil ça vraiment aider nous. Nous gen un bagage nous signé déjà pour pas respecter. Monsieur offre $10,000. Il dit bon. Attends, ou t'es pour contrôler ça ou bon t'as un monde les offre $10,000? On était avec Marc Antoine Accra. C'est Marc Antoine Accra qui fait chita avec Martin. Comme si Martin offre $10,000 pour qui ça? Il dit, mais $10,000. Quel faux cadeau? Il n'y a pas besoin plus que ça. Il garde comme si on t'y nègre tête gaine qui pas mérité rien. Je fais matin, je dis matin. Moi, j'achète hôtel ça pour $7,000,000. Et m'a dit un autre bagaille. Le compagnie Hilton International, yon le plus gros hôtel dans le monde, yon DM, yon bon franchise. On a bâti plusieurs îles dans le pays. Ça m'a fait $10,000. C'est le ça me levé, je vais parler à monsieur. Marc Antoine Accra, il était en caille piba hôtel moi. Monsieur te fait chita avec Martin comme mediator, OK, comme un monde qui t'a passé fait nous entre nous. Mais le monsieur offre $10,000 et non. Même bas de niveau ça même. OK? Malé, nous commençons le processus la justice et nous fait Jovenel était supposé aider nous, mais il dit pas de jambe, bon, il n'y a pas de jambe arrivé. Le Ariel, le premier ministre, avocat nous voyait plusieurs lettres by Ariel, il voyait plusieurs lettres by ministre intérieur, il voyait plusieurs lettres by ministre de la justice. Rien n'est pas jamais fait. Bon, nous, après ça, à un moment, ça, Bandi commence à écraser toute caille, beaucoup de temps. Bandi prend toute zone là. Même on l'autre hôtel qui beaucoup de temps, qui est le Waoube, il écrase Waoube net. Bon, à un moment, ça, nous n'avons pas faire rien. Ça veut dire que l'hôtel là, je dis, pas fonctionné, il n'est pas opérationnel. L'internet, il va fonctionner, bon, toute zone là dirige, il n'y a pas bandit.
En toute zone, c'est gang qui l'a donné à Kounia. Mais il faut me dire, Digicel sorti au note pour dire que nous pas gagné aucune dette envers Parrette Hospitality Group SA. Yo pas aucune dette envers nous. Yo pas aucune deal. Yo pas aucune entente que nous avons fait avec vous. Mais même apprendre que nous bloquons en compte. Est-ce que c'est vrai que nous bloquons en compte Digicel? C'est ça, c'est ça. Bonjour. Bon, réponds nous. Premier bagaille. Digicel t'a toujours dit ça parce que pour eux même tout pays a pour eux. OK? Tout pays a pour eux et nous pensons qu'ils ont acheté tout le monde. Oui, nous bloquons contre eux parce qu'on juge le tribunal, dit que normalement, ils ont nous, ils bloquent contre eux. Ils bloquent contre eux dans le BNC, dans le BPH, dans le BUH, dans le Sojibank, dans le Capital Bank, dans le Unibank. Tout le compte bloqué. Mais semble Unibank avec Sojibank lever le blocage là pour contre eux sans la justice. Mais je dis à entendre que yo bloqué compte toujours bloqué oui mais il est bloqué pour 2 millions de dollars semble yo te gain plus que 2 millions de dollars dans compte ça veut dire yo bloqué pour cop yo te douem dans le ça qui était septembre 2023 et nous te et bloqué compte so yo même 2 millions de dollars pas rien pour yo yo continue à fonctionner bon yo ça pas rien pour yo. Okay. Mais Bamdou, est-ce que nous-mêmes, gon blocage, gon bagay nous fait en dans espace là, qui empêchait comme si et communication passait bien? Est-ce que gon bagay nous fait ou bien sans panier, en panier, pas qu'à rentrer en dedans? Qui ça qui fait comme si je dis, on est tout plein ça, parce que moun yo dit, on pas qu'à jouer internet, mais est-ce que c'est un sabotage que nous faisons en dedans, son blocage que nous faisons, c'est entrer en bagay ou rentrer pour capable de venir travailler? Qui ça bagay là et je dis? Monsieur, bon, on seul bagay me connaît, zone là, dirigée par bandit. Moi, je trouve que, you know, mais même, ça c'est hôtel moi. Moi, pas qu'à prendre machine moi pour prendre route nationale pour vivre dans l'hôtel moi. Bah, qu'à faire. Bah, qu'on comment technicien Digicel fait vivre en l'air. Bah, qu'on comment technicien Digicel fait passer n'importe 3, 4 checkpoints de bandits. Yo même, yo vivent en l'air. Et yo toujours en l'air. Je dis à la, même moun qui te krasé hôtel mouen, je dis à nous, ouais, bon, avant yen nous, ouais, youn technicien Digicel, li paret avec youn bandi yo qui toute zone la connaît. Et yo dis, la entre dans hôtel là. Ça veut dire, bon, m'pa kon qui relation Digicel gen. Avec moun sa yon lea, m'pakon sa ka passe, m'pakon dou m'pa la pou 2 ans. La kote gen koze. Mwen selman konne yo dim gen problem an dan yo gen pou regle, men men mwen gade yo m'di bon, m'paka kito antre pou fe anyen, ou gen yon det pou mwen. Nou gen yon bagay yon kou nan la justice. Se apre, on jou, pi men ministre lem li di mwen, tout peyi a pa gen internet, paske gen yon problem an dan. Ki eski yon lo? Pi men ministre lem, Premier ministre, okay. Premier ministre, il dit moi, il y a un problème en dedans, Digicel besoin d'entrer. Il dit Premier ministre, il dit, on t'a remis, fait tout ça, on pour faire, hein? Mais nous avons un problème à Digicel, il doit nous appeler l'argent pour presque 5 ans. Nous t'a remis, il dit nous en bagaille avant de rentrer. Je dis nous en bagaille. Soit paye un cognac, ok, soit paye un mois, soit renégocier dim on bagay. Mwen son moun tou, mwen son investisseur, mwen gen kòk mwen deyò tou. Mais premier ministre dit moi dossier ça pas pour lui. Seulement li besoin Digicel pour entrer. Premier ministre dit tout, li dit et nous comprenons li tout parce que li dit moi pays a gen en pile crise, moun pa ka parler, la police pa ka parler. So li pas vraiment concerné avec ça Digicel gen pour moi. Et DJ's besoin et téléphone là pour marcher au